Zéphirin Diabré. Pour moi, c'est Zéphirin Diabré qui a fait vraiment une percée politique en une année. Un parti politique nouvellement créé et puis avec les résultats qu'il a obtenus, en tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui est capable même de diriger le Burkina Faso. Donc. C'est la majorité, c'est M. Assimi Kouanda. C'est Zéphirin Diabré. Je trouve que c'est Zéphirin Diabré. C'est venu en pleine force que les gens même ne savaient pas qu'il allait avoir tout ça. Zéphirin Diabré, voilà. C'est une première au Burkina Faso, vraiment. Avoir l'opposition qui vient de Nia, et ça m'a beaucoup marqué. L'homme de l'année choisi, si vous comprenez. Malgré les difficultés qu'il a eues, il a beaucoup travaillé, il a eu beaucoup de difficultés, il a continué. Et ensuite, il est prêt pour l'alternance. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui peut saluer. Assimi Kouanda. Bon, parce qu'on ne croyait pas qu'on allait avoir cette légitimité. En tout cas, c'est quelqu'un qui, moi, peut classer quand même. Comme premier, il peut classer Zéphirin Diabré comme deuxième. Bon, je classe comme Sala Sirene quand même, qui est beaucoup quand même secoué, comme troisième. Après, je peux venir comme quatrième personne. Bon, en fait, je veux classer François, parce que comme c'est quelqu'un qu'on ne croyait pas, et puis il est venu en force. Selon moi, la révélation politique de l'année 2012, c'est le docteur Zéphirin Diabré. C'est Monsieur Diabré. Considération de cette dernière campagne électorale, on peut dire que François Compaoré a eu une popularité pas si mal. Et bon, vu que les années précédentes, il n'était pas si bien placé. En tout cas, il s'est débrouillé. Par contre, la jeunesse se penche surtout sur Zéphirin Diabré. On espère surtout qu'il aura plus d'opportunités les prochaines fois. Qu'il ne va pas décevoir surtout la jeunesse. Quoi.